Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2022, j'espère que votre mois de juillet a été comme vous vous le souhaitiez. Alors on va regarder donc les énergies pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ou si vous avez du bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors au niveau du mouvement de la lune, on a la nouvelle lune le 28 juillet donc à 19h55 heure de Paris. Depuis le 22, on a l'arrivée du Soleil aussi dans le signe du lion. Donc arrivée du soleil euh, dans un signe égale nouvelle lune dans le même signe. Et puis on a Mercure aussi qui est arrivé dans le signe du lion. On vous parle pour cette nouvelle lune de briller. Et avec le Soleil et Mercure dans le même signe, on va avoir un changement au niveau de la communication, au niveau de l'expression de soi. Alors on peut parler de tout ce qui est affirmation de soi avec le signe du lion, on peut parler de créativité, de tout ce qui est affectif aussi, euh, on est dans la bienveillance, l'enthousiasme, l'assurance, voilà, on reprend confiance en soi, c'est un peu le thème de ce mois d'août et le 12 août on aura... La pleine lune dans le signe du verso, alors cette pleine lune, elle nous parle d'être authentique, d'être soi-même, donc pareil que avec le signe du lion puisque ce sont les signes opposés. La pleine lune, c'est le moment où on fait le point et on élimine toutes les choses qui ne nous servent plus et surtout qui font obstacle à la réalisation de ses projets. Donc le signe du verso, c'est un signe d'air qui va nous parler de liberté, fraternité, Égalité, je pense que ça vous fait penser à quelque chose de bien précis. Euh, on parle aussi d'originalité, de sociabilité, d'indépendance, donc indépendance d'esprit, voilà. Et euh, on le sert pour le collectif de manière à ce que tout le monde puisse se sentir à égalité. Donc, ça, ce sera le 12 août, cette pleine lune, à 3h36 du matin, heure de Paris. On a aussi, euh, alors je le précise pour vous, puisque Jupiter est dans votre signe. Donc Jupiter va amplifier tout ça. Le signe du bélier, vous le connaissez, ça va être le signe de l'individu euh, au sens propre, hein, c'est-à-dire je construis mon identité, je démarre quelque chose, j'impulse de nouvelles énergies. C'est le premier signe de l'année zodiacale. Ça marque en général, enfin dans tout le temps, euh, l'arrivée du printemps. Donc voilà, vous allez vous servir de tout ça. On a une alchimie ici. Hein, quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, vous avez Mars qui est tombé. Euh, initialement, c'était la carte de la maison 10, donc la carrière, l'ambition, la structure. Euh, cependant, elle est tombée très vite, donc j'ai préféré la remettre dans le paquet. Elle me servira quand même pour l'interprétation de cette lecture psychique pour votre mois d'août. Alors, avec Mars, eh bien, c'est votre planète régente, donc il y a un soutien très fort. Je pense que dans ce que euh, vous avez vécu au cours de ces derniers mois, il y a eu un ralentissement, il euh, y a eu un apprentissage, on va dire, de la patience, du lâcher-prise, et maintenant, vous reprenez, on va dire, un nouveau départ. Pour moi, avec Mars, il y a le... L'idée de combattre, l'idée de, de mener à bien quelque chose jusqu'au bout. Donc, on a la force, le courage. Voilà, tout ça est, est intégré dans l'énergie de votre mois d'août. On commence par celle-ci, voire au-delà. Alors on vous dit, derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et pour l'affirmation, le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Alors, il y a des choses, effectivement, que vous ressentez. Vous commencez euh, cette guidance du mois d'août avec la reine de coupe. Donc, on parle d'intérieur, on parle de ressenti. Vous ressentez cette puissance. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'amplifier. Euh, Jupiter et dans votre signe. Et Jupiter, c'est. Euh, voilà, allez, ça va être euh, la, la, la foire, il hein, y a un peu de tout, euh, ça s'amplifie. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes, donc forcément, ça prend de l'ampleur. Avec Mars, pour moi, vous récupérez toute une force, tout un, un, un courage. On vous dit aussi que vous êtes euh, dans l'énergie de réparer certaines choses, de transcender aussi certaines choses. Là, on a la carte euh, qui, qui nous parle vraiment de transcender l'au-delà, c'est-à-dire, voilà, d'aller au-delà des, des, des choses, voir au-delà, d'ailleurs, c'était votre carte. On a le 2 de coupe. Pour moi, ça peut être nouveau contrat, euh, une... Euh, une alchimie, justement, ça peut être entre deux personnes, mais c'est surtout avec vous-même, là, j'ai l'impression de, euh, de vous retrouver vraiment dans votre essence pure euh, de bélier. Alors, que ce soit signe solaire, ascendant, lunaire, hein, voilà, vous avez cette caractéristique-là. Je vais jusqu'au bout des choses, euh, j'ai la force pour... Pour chasser, pour euh, changer le destin, pour comprendre certaines choses, j'en suis capable. Je le sais, je le sens. Voilà. Donc c'est une évidence. Pour moi, avec cette carte, on vous parle vraiment de passion. Alors c'est associé à l'empereur. Donc euh, vous, enfin euh, c'est la lame majeure aussi du bélier avec cette carte. On vous parle de défi, euh, de tout ce qui est euh, franc et direct, persévérance, ambition, être le premier, enthousiasme, les événements qui déferlent sur nous et qui nous prennent par surprise, l'excitation, euh, les gens qui appâtent, être tyrannisé, ou faire face à des tyrans au foyer ou au travail, défendre la position que l'on a acquise, perdre la tête, euh, être en surchauffe, euh, des petits accidents ou des, des, des petites choses qui sont causées par la précipitation. Donc attention à ça, on parle de hypertension, hémoglobine, euh, le fer, le, la pulsion, les désirs bestiaux, être ardent, passionné ou lassif, l'énergie pure, la force et la fougue. Alors il y a beaucoup de tri là-dedans, on va voir parce qu'ici on a des cartes qui indiquent que il euh, y a des choses qui ne se sont pas vraiment produites comme vous le souhaitiez, c'est pour ça que je parle aussi d'avoir la force de réparer certaines choses, de voir au-delà, voilà, euh, j'ai peut-être loupé ça, mais finalement, vous allez comprendre et vous êtes peut-être même déjà en train de comprendre que ça sert quelque chose de plus grand qui avait un but derrière tout ça même si le but n'est pas forcément évident à voir parce que notre compréhension humaine ne peut pas égaler la compréhension divine donc forcément il y a des choses qui vous échappent. Alors on a quand même deux bâtons en lame il euh, y a que des lames mineures donc pour moi ce sont des petits ajustements du quotidien, c'est-à-dire que vous êtes en train euh, justement de comprendre que ici euh, C'est le mental qui peut vous mettre en difficulté ou alors la conversation, les expressions, euh, euh, on va dire, que vous utilisez d'habitude sont en train d'être réajustées. Alors je vais en reparler. D'abord, on a la reine de coupe qui nous dit, voilà, vous êtes en train d'écouter votre intuition pure-juste, c'est-à-dire vos tripes, votre, euh, vos intestins, voilà, je ressens quelque chose. Avec la reine de coupe, on a un sens des valeurs, c'est-à-dire, bah, je m'écoute moi. Voilà, ça c'est un bon sens de valeur, je trouve. Avec euh, la purification et la reine de coupe, on parle aussi de protéger son énergie, euh, de peut-être ne pas parler à tout le monde. Et ça, ça va vous aider parce que le 5 d'épée en carte d'aide ou, ou de défi va surtout parler de ne pas donner de crédit à des personnes qui. Euh, doute de vous, qui ne vous écoute pas, votre cœur sait. Voilà ce que nous dit la reine de coupe. Donc purifier l'énergie, ça veut dire euh, j'évite d'écouter les personnes qui, euh, qui vibrent sur la peur, qui vibrent sur la critique, qui vibrent sur la, euh, la médisance. Voilà. Et je, je garde mon cœur pur, je garde tout ça euh, au sein de mon être euh, bah, Enfin, j'allais dire, mon être personnel, ça ne veut rien dire, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que plus vous allez écouter les gens, plus vous, moins, moins vous aurez envie euh, d'aller jusqu'au bout. Parce que là, le 5 d'épée, c'est vraiment des, des, des personnes qui vont euh, venir titiller la corde de l'humiliation. Euh, c'est l'identité, hein, c'est-à-dire l'amour de soi, la confiance en soi, les valeurs. Euh, oui, c'est tout ce qui compose en fait votre ego. L'ego, c'est je suis et vous êtes, voilà, vous êtes le premier signe de l'année zodiacale, le signe de l'identité qui se construit, donc forcément, vous absorbez tout, et euh, le 5 d'épée va nous dire, bon bah là, il va falloir mettre un terme, voilà, euh, aux, aux personnes qui, euh, comment dire, qui prennent du plaisir à vous voir déstabiliser, à vous voir dégoûter, euh, ce 4 de coupe ici me dit, euh, là, on a des béliers, en tout cas des personnes qui regardent cette vidéo, qui se sont senties euh, euh, plus capables, euh, dégoûtées, euh, j'ai plus envie, je sais même pas euh, si j'en ai vraiment envie. Alors qu'en fait, si vous en avez vraiment envie, quel que soit le projet, hein, projet amoureux, projet personnel, projet professionnel, vous en êtes capable. Mais je pense qu'il y a eu des personnes, et c'est ça votre défi ce mois-ci, qui prennent encore un malin plaisir à vous manipuler. À voir euh, comment, par une simple, une simple phrase, une simple critique, une simple remarque, elle vous déstabilise, elle vous. Elle, oui, elle marque vraiment un. un je vais pas dire si c'est malsain, mais elle marque quand même un désir de vous voir affaibli. Voilà, avec ce 5 d'épée que je sens là, pour le coup, très négatif. Donc, ici, avec la carte du plaisir, on vous dit, eh bien finalement continuez à kiffer j'ai envie de dire ça comme ça continuez à kiffer ce que vous faites voilà vous n'avez pas écouté les autres même si ça leur paraît euh, impossible en fait ils font référence à eux ils ne font pas référence à vous voilà donc c'est un miroir de ce que vous devez abandonner ou de ce que vous devez travailler donc justement servez-vous-en comme une information qui fait plaisir à, à, à connaître à avoir c'est à dire ok ces personnes là euh, elles veulent me voir déstabiliser parce qu'elles n'ont pas le même courage. leur courage se trouve ailleurs et eh bien moi mon courage se trouve là donc je continue voilà à porter euh, euh, mon projet jusqu'au bout. d'ailleurs le 10 de bâton nous en parle aussi, c'est à dire que le 10 de bâton nous dit: je suis en train de trouver une autre manière de faire. Alors, si ce ne sont pas des personnes qui vous parlent comme ça, c'est peut-être votre mental, votre petite voix autosabotante, limitante, qui va vous dire, oui, mais est-ce que tu en es vraiment capable Souviens-toi, machin. Est-ce que vous allez comparer des situations, enfin, euh, le projet là que vous voulez mener ou le, la situation que vous voulez dépasser, vous la comparez à une situation où vous avez été déjà mis en échec. Donc, vous vous remettez, en fait, dans le même... Taux vibratoire dans la même euh, comparer une situation à une autre c'est en général la meilleure des manières de se saboter d'accord donc ici vous ne comparez pas vous allez vous dire ben bah, j'en suis capable j'ai appris depuis je suis une personne différente j'en suis tout autant capable que euh, Enfin, que, que n'importe qui, en fait, on va éviter de se comparer aux autres, on va éviter de se comparer à, à quelqu'un qui a réussi tel truc, on va se dire, moi j'ai d'autres capacités, j'ai forcément des capacités, et je vais forcément trouver une solution. Parce qu'ici, euh, même si vous savez, vous le sentez, je pense que dans la manière de faire, dans le, le côté Yang, hein, les deux cartes de Yang, euh, enfin celles-ci en tout cas, qui sont sorties, l'épée, le 5 d'épée, le 10 de bâton, on va dire que mentalement ou en écoutant les gens ou en écoutant votre mental un peu limitant, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Le 10 de bâton peut nous parler de ça. C'est-à-dire je me limite, euh, je, je continue à faire quelque chose qui ne me convient pas forcément. Et euh, en guérissant, alors là on parle du chaos et ça fait deux fois que vous avez cette notion de, de désordre, de chaos. En fait, vous y arriverez, mais dans la manière dont vous vous y prenez. Ça, c est, c est, vous vous ralentissez en fait. Je ne vais pas dire que ça ne marchera pas, mais vous vous ralentissez considérablement. Donc vous avez tendance à douter ou alors les gens doutent de vous en disant, enfin de toute façon c'est en miroir, en résonance. Hein, donc vous doutez de vous, les gens doutent de vous. Par contre... Si vous vous dites ok il y a forcément un autre moyen de le faire, donc je vais trouver euh, la bonne méthode, le 10 de bâton c'est aussi ça. Je compare toujours ça à euh, porter des bûches, voilà, puisque ce personnage dans le Rider Weight porte des, des, des bâtons. Euh, des bâtons qui sont quand même florissants, mais il n'y voit rien il euh, y a un bâton qui peut tomber c'est comme quand on porte des bûches il hein. y en a une qui peut tomber on veut la ramasser il y en a une autre qui tombe donc voilà et c'est laborieux c'est pénible sauf que si on se dit attends j'ai euh, je vais garder autant de bûches que je que je veux emporter mais j'ai deux bras et pourquoi pas pourquoi ne pas acheter une brouette ou trouver une brouette ou une cagette ou je ne sais quoi? Et finalement juste porter les deux poignées pendant que le la brouette ou la cagette fait le, 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 fait le boulot, voilà, fait le job. Et là vous avez trouvé une solution qui vous permet d'avancer plus rapidement. Voilà, bon pour les, les, les personnes qui sont euh, en ville, euh, même si vous n'avez pas de brouette et de, de bûche, je pense que voilà. Vous voyez un peu l'image. Donc là, c'est faire d'une autre façon, s'y prendre d'une meilleure manière, en fait. C'est-à-dire, voilà, je, je prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je veux vraiment aller au bout Parce que des fois, on se met des difficultés parce que tout simplement, on n'y croit pas. Donc, c'est la première des questions à se poser. Moi, je pense que c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est la. La bonne méthode, c'est se poser la question, de revenir aux fondamentaux. Est-ce que ça me correspond vraiment Est-ce que je le veux vraiment Pour moi, la question est oui. Mais se poser la question, c'est se remotiver en réalité. Là, on a du deux de coupe. Pour moi, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Sauf que dans la méthode, c'est pénible, c'est laborieux, alors ça peut être au niveau de la communication, c'est-à-dire j'ai beau essayer de faire euh, on se comprend pas, on se chicane, euh, on n'arrête pas de se friter, c'est pénible, est-ce que je vais y arriver euh, parce que je suis sûre, je ressens euh, que c'est mon âme sœur, euh, je ressens que ce projet en vaut vraiment la peine, c'est vraiment ce que je veux, euh, ce boulot c'est vraiment ma vocation, sauf que... C'est laborieux, c'est pénible. Donc, vous, vous vous mettez en doute tout simplement parce que la méthode n'est pas bonne. Voilà, je le, je le répète comme ça en donnant des exemples pour chacun d'entre vous. Enfin, j'essaye en tout cas. Euh, après, pour moi, le message, il est vraiment dans la position de l'aide et sur le long terme. Et c'est ça qui fait plaisir c'est que ici, vous allez comprendre que finalement, ça ne sert à rien de lutter c'est-à-dire de mettre votre énergie, de, de forcer le truc pour que ça vous convienne. Vous allez dire, OK, bah moi, je continue ce qui me convient et le reste va s'adapter à moi. Là, on a la carte du plaisir, là, on a la carte du plaisir. Donc, ça veut dire qu'à long terme, vous allez, en fait, ici, c'est l'apprentissage, hein, c'est le défi, le challenge. Et puis, avec le valet de bâton, à long terme, ça indique que vous allez entrer dans la matière avec ce, ce projet, enfin cette, cette méthode va fonctionner, puisque le valet de bâton nous, nous, nous parle de quelque chose qui commence, euh, c'est un projet, c'est quelque chose qui commence, qui initie, qui est initié, pardon, mais en tout cas qui est là, donc ça peut être un déménagement, euh, je pense que l'énergie que vous y avez mise fonctionne puisque ici vous êtes vraiment servi de cette on va dire de ce conseil de ok je lâche prise ce sont les autres qui parlent d'eux-mêmes hein, quand ils comparent ils me comparent à leur propre capacité, et moi je n'ai pas à me comparer à eux voilà donc je laisse ça de côté je retrouve mon énergie ma force ma puissance en prenant du plaisir, en continuant à faire ce que je fais, mais en changeant la méthode. Et là, ça fonctionne. Là, sur le long terme, on a vraiment quelque chose que vous avez fait avec vraiment de vigueur, de motivation, euh, d'abnégation. Moi, j'ai vraiment le mot abnégation dans la tête depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai maintenu mon énergie au plus haut niveau. Le valet de bâton, il peut aussi nous parler de quelque chose de très plaisant, dans le sens où vous allez prendre du plaisir. Euh, C'est quelque chose de, de marrant. C'est l'énergie de l'adolescent qui, qui teste un truc qui lui fait vraiment plaisir, quoi, qui a, qui a trouvé sa passion. Avec la nouvelle lune en Lyon. On parle aussi de passion, de créativité, d'enfant intérieur. Là, vous revenez aux fondamentaux aux basiques. Donc c'est simple, basique, comme chantait Orelsan. Et finalement... Euh, ça va beaucoup plus vite. Euh, on va dire qu'il y a comme un déblocage ici, c'est-à-dire voilà, j'ai compris que c'était la méthode. En écoutant les mauvaises personnes, je me suis mis des bâtons dans les roues. En faisant d'une certaine manière, euh, j'avançais pas parce que ça, ça, ça ne pouvait pas avancer comme ça. Mais maintenant que j'ai compris, je m'y prends différemment et je continue en fait, tout simplement. C'est presque aussi simple que ça, je l'ai vécu, euh, je vais vous dire qu'à vivre c'est pas forcément simple, mais voilà, quand on comprend et qu'on l'applique, ça se fluidifie, ça se simplifie, voilà, au début c'est peut-être pas encore le cas, hein, c'est ce qu'on vous dit à court terme, mais en continuant, voilà, dans l'énergie actuelle, je le sais, je le sens, c'est ce que nous dit la reine de coupe, alors ça peut être aussi à recevoir un conseil ou un soin, mais là pour moi, euh, en, en écoutant juste votre cœur, non, non, mais c'est vraiment ce que j'aime. Donc ça se discute pas en fait. Il n'y a pas à comprendre, il y a juste à respecter. C'est comme ça, c'est comme ça, point. Ça c'est l'intuition aussi pure jus. S'accrocher à quelque chose qui est euh, chimérique aux yeux des autres, euh, en fait, j'ai envie de le dire, c'est leur, euh, leur croyance personnelle. Euh, et elles ont affaire à leur propre croyance. Les vôtres sont les vôtres, les leurs sont les leurs, voilà, tout simplement. Euh, ici, pour moi, il y a eu quelque chose de loupé. Alors, ça peut être justement une relation euh, idéale qui aurait dû continuer, qui a pu s'arrêter, qui a pu se stopper, ou ça s'est pas passé comme prévu. Euh, la personne a pu vous dire bon, bah écoute, finalement, euh, je préfère euh, qu'on qu prenne notre temps. Euh, euh, finalement, ce projet de maison, on va peut-être attendre un petit peu, voilà, et, et, et enfin. Émotionnellement, je ne vais pas dire sentimentalement, parce que ça peut être euh, voilà ce, le contrat de, de rêve qui finalement n'a pas été signé, mais qui vous a, euh, on va dire, dégoûté 4 de coupe, hein, c'est un peu ça eh bien, ça prépare à quelque chose de mieux. Ici, on a encore une carte de force. Alors, pour moi, c'est que peut-être que l'ambition initiale n'était pas assez. Euh, visionnaire, parce qu'on a la pleine lune en verso, le verso c'est du c'est de la vision à long terme, peut-être que ce n'était pas assez euh, ambitieux, et que finalement, en ayant vécu ça, en ayant compris que la méthode n'était pas bonne, euh, en fait, vous, vous comprenez de vous-même, et c'est peut-être ça aussi qui vous a un petit peu... Euh, euh, voilà, bon, je vais me reposer un petit temps là, je vais, je vais prendre le temps de... Euh, de remplir ma, ma joie de vivre parce que là c'est un petit peu voilà hein, c'était peut-être pas trop ça mais c'est ça aussi voir au-delà c'est-à-dire ben bah, en fait euh, j'ai compris que dans la méthode je me mettais des bâtons dans les roues parce que j'avais pas assez d'ambition et que finalement rater quelque chose ou louper l'opportunité euh, m'a permis de vivre ça pour gagner de l'ampleur regagner de la force euh, intégrer aussi d'autres choses, plus de patience, de, de bienveillance envers vous-même, parce que je pense que vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, assez dur envers vous-même, assez euh, euh, sévère. Voilà, j'ai le mot sévérité qui me vient. Et finalement, vous vous dites bon bah c'est pas plus mal parce que j'ai glané et j'ai gagné plein d'informations, plein de connaissances au niveau de mes capacités, comment fonctionnent les autres, les énergies qu'on m'envoie, etc. Et maintenant, je peux reprendre. Euh, je vais pas dire du poil de la bête, parce que j'ai fait le jeu de mots pour les lions, euh, non, pour les, bah, je sais plus quel signe d'ailleurs, voilà, euh, je crois que c'était pour les lions, j'avais fait la blague, mais du coup, il euh, y, y a vraiment ce côté, euh, voilà, je, je, je prends en fait de l'ampleur, et maintenant, je revois, mon ambition, ça peut être la même, hein. ce projet finalement, au lieu de vouloir, euh, euh, vous savez, euh, des, des fois on se dit je veux aller en Italie et on se contente de manger des spaghettis, ben là c'est non, non, je vais m'acheter le billet, je vais vraiment faire ce voyage en Italie, euh, je vais vraiment m'acheter cette maison, je ne vais pas me contenter juste d'un studio, vous voyez un peu l'idée. Donc ici... Finalement, une opportunité loupée vous a permis de gagner tout ça, de comprendre plein de choses de vous-même dans votre méthode, dans votre manière de faire. Et finalement, ça ne s'avère pas plus mal parce que vous revenez à un projet, à une ambition, à quelque chose que vous vous souhaitez, que vous continuez à souhaiter. Hein. Euh, Peut-être que vous l'avez abandonné. Et puis maintenant, ça revient sur le tapis en se disant, mais non, mais je vais le faire d'une autre façon. C'est tout. Alors, on a le chakra coronal. Très bien. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et derrière, alors, on a quand même le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence donc on a quand même le, ch le premier chakra jusqu'au dernier donc pour moi il y a un alignement un alignement à soi un, un alignement pardon à ce qu'on a envie d'être à ce qu'on a envie de faire à ce qu'on a envie d'obtenir euh, ce qu'on a envie de concrétiser donc pour moi il y a vraiment quelque chose qui est en train de se matérialiser donc continuez continuez et continuer, voilà j'ai envie de dire euh, euh, regagner de la force de l'amplitude de l'espoir et, euh, et c'est tout simplement que ça va se passer alors là on a la montagne pour moi effectivement euh, ça fait écho aux 10 de bâton c'est à dire voilà j'ai peut-être tendance à me mettre en difficulté j'ai peut-être tendance euh, à voir euh, le sommet comme étant inaccessible alors que si je fais un pas après l'autre je vais y arriver et quel que soit le temps, euh, quelles que soient les, les circonstances, donc le quand et le comment, hein, c'est vraiment ça. Je m'en préoccupe pas. Ça, c'est n'est euh, pas, pas de mon ressort. Voilà, moi, je sais juste que je peux faire un pas après l'autre. Donc, je fais un pas après l'autre. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les amis du signe bélier pour le mois d'août. Eh bien, on a mars. Voilà. Alors, quand je parlais de sévérité... Euh, on a une aide quand même, c'est le courage. On a le valet de pique. Ici, j'ai l'impression que vous avez euh, le, la diligence. Alors diligence, ça fait vraiment penser à ça, hein, c'est-à-dire je suis euh, organisée, motivée, volontaire. J'ai de l'abnégation, j'ai de la force, j'ai du courage, donc je le fais. Voilà, c'est une discipline. Mais il y a aussi, euh, voyez, avec Mars. Bah, vous avez deux fois Mars, hein. vous avez votre planète, elle est là, elle vous soutient, Jupiter est en train d'amplifier aussi ce courage, donc il euh, bah, y a toutes les chances que ça fonctionne, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Les amis, je vous aime, je vous embrasse, regardez, petit voyage. Euh, quel que soit votre projet, je vous souhaite une grande réussite. On se retrouve très très vite euh, sur Instagram, Facebook, Instagram, les petits tirages à choix de la semaine, les tirages du cycle lunaire, donc nouvelle lune qui arrivera le 28, pardon, et la pleine lune. Et puis euh, bah, on se retrouve toutes les semaines sur YouTube. N'hésitez pas à compléter d'ailleurs avec vos ascendants, signes lunaires, solaires, peu importe, pour avoir plus d'informations. Ça va grandement vous aider, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao ciao